Et bonjour, internautrice et internautateur, ici Gelden pour les jeux du cygne, avec son compagnon et cousin éternel, Coucou YouTube. avec ces pas beaux zombies que nous avons vus à l'œuvre Ils sont précédent très beaux mes épisode. zombies. Non, ils Ça sont pas arrête un beaux, peu. ils sont pas beaux. Oui, bah c'est des zombies quoi. Voilà, c'est des zombies. Ils sont tout moches. C'était pas beau, mais c'était rigolo. Voilà. Ça pourrait être le titre de ma BO. Sera le titre de ma biographie. Et nous, on a bien galéré à s'emparer de Zanchi, mais on l'a finalement fait. Enfin, on va le faire. Hop. Et d'ailleurs, tac tac tac, boum boum. J'ai pas de perte, on avait dit. C'est Tac 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 automatique. tac boum boum carrément. Tac tac, boum boum. Ouais, 98 pertes, ça va avec ce qui reste. Je vais le caver tout de suite au niveau 2. Pillé, occupé, c'est saoulant. Mais c'est ainsi. Mais c'est un truc de SFO ça. Je sais pas. Peut-être. C'était pas comme ça avant, tu récupérais pas systématiquement des trucs tout pété avec les skaven. Écoute, je sais Mais pas. c'est peut-être que vu que tu as effectivement la possibilité de récupérer, de fonder des villes niveau 1, de les récupérer directement niveau 3, c'est Ouais, peut-être pas. c'est pas absurde. C'est pas absurde que du coup tu les récupères avec des trucs tout cassés, quoi. Alors, j'ai quelques level up à faire. Augmenter la mobilité, je need. Tu vas taper sur qui après? Moi, je suis sur les custodians et puis après, je partirai sur les elfes noirs, hein, de toute façon. D'accord, donc je peux pénaliser les zombies les vampires qui sont au-dessus de toi. Bah, de toute façon, je pense que eux, Au pire, tu m'appelleras pas, mais. c'est. Oui, eux, c'est les cimes naturelles de. Ouais, des rouges seulement. Pour l'instant, ils tiennent à peu près la route, donc. Moi, je peux aussi faire un PNA avec eux, mais j'ai pas prévu de le faire. Parce que je pense que tôt ou tard. Oui, ils vont sans doute y passer. Oui, mais au pire, tu m'appelleras pas. Mais de toute façon, d'ici C'est là, ils ça, seront ouais. peut-être fait bouffer. C'est peu. Grisor s'est fait bouffer 2 tours après que j'ai fait PNA avec eux. Ouais, mais Grisor, c'est un ennemi de base de. Je te dis Oui. des provinces de l'Ouest. Ah, sauf que les provinces de l'Ouest, ils ont toujours qu'une seule colonie. Non, non, c'est pas les provinces de l'Ouest qui les ont pris, c'est C'est les qui? dissidents. C'est les rebelles. Ouais, Je bon. pense que c'est les dissidents qui, eux, sont bien agrandis, je trouve. Bah, Par rapport aux provinces de l'Ouest. ils ont deux régions. Oui. Ah non, ils en ont 5. Ils en ont 5 alors que les provinces de l'Ouest ont un settlement. Ouais, en fait, c'est étrange surtout Alors, qu'ils se soient pas développés. c'est ça ce qui m'a fait. Le Western Province est à un settlement, mais ils sont en force 21. Les dissidents ont C'est 5 ça. provinces, ils sont en force 212. Classique. Je sais même pas comment il peut être 212. J'ai même les vampires là. Ah, Ils Pestilence. Sont 127, quoi. Comment est-ce qu'il peut dire? Donne-moi sous Pestilence avec l'accord de passage. Ils font partie de ceux qui ont le plus de settlements parmi tous ceux qu'on connaît, et c'est quasiment les derniers en rang de force. Eh oui. Pourtant, SFO a tendance à maîtriser un peu ce genre de pratique. Mais bon. C'est pas très grave. Bon, bah, c'est bon pour moi. Et ben, pas pour moi. Ils sont rapides, mes tours. Oui. Ouais, tu fais que de l'auto, forcément. Bah non, j'ai la première bataille hier. Bah, c'est pas une question d'auto, c'est clair, en l'occurrence, j'attaque rien. Est-ce qu'il me suit l'échec? Problème, c'est que si Kouget me tombe sur l'arabe, là, je vais pas aimer. Il y a 2 niveaux. S'il décide qu'il aime pas que je le pille et qu'il vient me tomber dessus. Ça c'est quoi? Guerrier des clans. Ça risque de piquer. Il est quoi? Des goûts toujours. Bref. Développer ta magie un peu. Tac. Alors, qu'est-ce que je peux en faire ici? Ouais, ça va. Est-ce que ça j'ai un. Ah oui, c'est le port. Le port, j'ai pas le choix. Je dois le garder. Hop, allez, on va terminer. Bim. Bim.
Elfe noir, il est pas beau. Et... ce qu'il veut. Bah ouais, l'elfe noir, il est pas beau. Destin du 13e, un nouveau rite. C'est quoi? Relation diplomatique plus 13 avec l'escaven. Augmentation de loyauté, diminution d'entretien, champ d'action bureau. Oui, c'est que du bon ça. C'est des trucs à activer dès que tu peux. Alors, level up, level up, level up. Voleur expert, chance de dérober des objets magiques. En vision. C'est bien ça aussi. Les objets magiques, c'est bien. Mangez-en. Des trucs qui brillent. Allez, qui brillent. C'est ça. Alors, cette ville-là, je la vois pas. Et Fucho, c'est où? C'est là. Je vais me garder. Pour l'instant, je vais rester sur les custodianes. Hop. Non, peut-être pas. Si, peut-être. Hop. Non mais le climat jaune, ça te fait pas de pénalité de revenus? C'est juste du contrôle et temps de construction? Y a que ça? Changer aussi. Bah t'as moins 5% de resplenish, moins 2 de contrôle, plus 50% de temps de construction et plus 1% de et plus 1 de tour de recrutement. Ouais. Je pensais qu'il y avait de la perte de revenus, mais c'est peut-être qu'à partir du rouge. Que j'ai pas de rouge sur les cartes. Oui, oui, je crois que c'est ça. C'est la... Ok, mais je croyais que c'était plus violent que ça, le revenu... l'orange. Croissance plus 10, c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce qu'on prend? On va faire ça, ça prend un tour. Bim. Diplomatie, on a déjà fait, donc c'est pas la peine de refaire. Fin de tour. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça lag. Ah non. Il n'a pas bougé, il n'a pas déclaré la guerre. Ça va, t'es tranquille. Bah non, justement, j'aimerais bien qu'il bouge. Qu'il aille s'occuper des hommes lézards, là, qu'ils s'affaiblissent mutuellement. Que je puisse ramasser les morceaux. Ouais, mais en même temps, s'il doit arriver, peut-être qu'effectivement, il va bah, pas... Bah, ça va pas empêcher l'autre de se barrer. C'est pas faux. Un peu débile, c'est pas faux. C'est que du coup, faut que je le surveille, parce que voilà, du coup, il revient, l'autre. Mais tu crois pas non plus à... Tu veux le mode Insta-win, aussi? Bon, bah... Je vais finir eux avant d'attaquer Nurgle. Ah merde, j'aurais pu faire du recrutement. Ah, plus 1% de résistance physique pour les zombies. Ça, c'est bien. Il va être tout pété. Ah, une première mission de... Ouais, d'accord. Première mission d'objet magique. La quête, elle te dit que face à toi, tu auras 3 unités. Et puis dessous, il y a écrit renfort attendu. Voilà, et oui, classique. Alors, poussé par la fin, revenu, c'est bon aussi. Contrat Molder reçu. Ah. Les orques qui arrivent. Alors, c'est quoi mon contrat Molder? Qu'est-ce qu'ils veulent? Espionner le clan Pestilence. Le clan Molder commence à se méfier du clan Pestilence. Ouais. Bien, on va dire que c'est un peu classique. Oh, ils sont mangés une rébellion de Nurgle, les hommes lézards. Augmente la réponse, vous accordez la nourriture, la terre d'or. Allez go. Oui, je sais qu'il ne sera plus là pendant un temps. Donc du coup,
Ouais, Pestilence, qui j'avais avec lesquels j'avais gagné un peu de points. J'en ai effectivement un peu moins là. Ok. Allez. À tous les coups, il va fuir, mais. Ah, c'est bon, je peux y être. Moi, je vais nous avoir un gros combat, moi, je sens. Ah non, il a pas fui. Ah. T'es sérieux, la vaillante défaite? Bon, il a un peu plus de Saurus, là, par contre. Ah. Et Ouais, t'as. j'ai deux armées. Et t'as. Ah oui, t'as pas que tes zombies, là. Non, j'ai pas que mes zombies, j'ai deux Mortis Engine, j'ai des cryptes et j'ai Hellman, surtout. Ouais. Allez! Ouais, encore du zombie. Pas que, mais beaucoup. Et puis des zombies avec 20% de résistance physique, accessoirement. Ce qu'ils n'avaient pas avant. Ce qui va être plutôt bien. Contre du Saurus, ouais. Contre du Saurus. Contre une équipe qui n'a pas du tout de magie, ça va être pas mal. Ouais. Je vais pouvoir envoyer. Ouais, j'ai que deux chauves-souris pour gérer tous ces tireurs, ça va pas être fou. Ah, il en a que 4 des tireurs. Oui, puis ça, apparemment, j'ai réussi à les rattraper avec mes zombies. Ouais, mais il se déplaçait un peu dans tous les sens aussi, là. Ils se déplaçaient un peu dans tous les sens, mais ils peuvent pas tirer en. Ceci dit, tes chauves-souris, je suis pas sûr qu'elles soient suffisantes pour. Non, mais juste pour les Pour embêter, en fait, juste pour gérer les ce locks. public. Ouais. Pour les locks, le temps que j'ai d'autres créatures qui arrivent dessus, quoi. Ah, bah, tes renforts sont intéressants, par contre. De quoi? Tes renforts arrivent de façon intéressante. Ouais. Bien sur le côté. Tu pourrais, à mon avis, les ghouls sur les javelots, ce sera pas mal. Je sais pas si ça bouge, à quelle vitesse ça bouge C'est plutôt rapide, les ghouls. les ghouls ou les horreurs des cryptes? Les ghouls, J'ai les deux. les horreurs des cryptes vont encore plus vite, mais les ghouls, c'est les unités rapides, Mais ce entre. sera peut-être un peu overkill effectivement de maintenant envoyer les horreurs des cryptes Ouais, sur les skin alors tier. que les horreurs de crypte sur les Saurus, ça continuera Oui, bien. je pense que ça peut faire le taf. C'est une masse d'unités. Ah, en plus, Ah, il y en a un peu plus en face aussi. il est endommagé en face. Bah, il a dû se bouffer un peu d'attrition aussi, j'imagine. Bienvenue à le club. Je te laisse gérer l'affront. Ça bouge à quelle Timidance. vitesse? Ouais, c'est 50 les cryptes. Ouais, Les horreurs des cryptes, c'est 65. ah oui, d'accord. Donc, je vais peut-être plutôt prendre les horreurs des cryptes pour aller chercher, faire la chasse. Donc, je te file les deux Mortis Engine. Ouais, mais les skins sont à 45. Oui, mais du coup, je ne closerai pas très très vite avec les cryptes, avec les ghouls des cryptes, Ouais. alors qu'avec les horreurs, je vais close beaucoup plus vite. Et en plus, ils sont anti-infanterie. Donc. Ouais, d'accord. Je les nettoie et je reviens après. Donc je vais te filer tous les zombies, Hellman et les deux Mortis Engine. D'accord, et tu gères. Moi je vais gérer toute la partie poursuite. Enfin, je sais pas où est-ce qu'il les a mis. Il y en a un sur le côté. Ah mais là, il les a pas mis de côté cette fois-ci. De toute façon, je vais gérer un contournement par la droite et mes renforts arriveront par la gauche du coup. Donc. Mes unités d'élite, c'est les lanciers. Ah, t'évites juste de me casser mon Mortis Engine. Ça fait quoi les machines Mortis? La machine Mortis, c'est Ça fait. aura de dégâts et aura de génération. C'est Ah des oui, trucs les plus tués des d'accord. morts-vivants. Et le bourdon maudit. Le bourdon modus, c'est un peu moins. Il a un buff de dégâts, je crois. Buff de mêlée, buff d'attaque et buff de vigueur. Sachant Machine. il peut faire un res, je crois, et pareil, c'est aussi du resplenish. Ah, Mais sur une aura plus petite, je crois, que le. Résurrection mineure, invoque une unité de zombies. Je vois pas le. Ah, vigor mortis. Plus 10 d'attaque et de défense en mêlée et régène de vigueur. Et il a aussi une aura de régène de vie. Et il baisse la défense des Et il a ennemis. effectivement moins 6 de mêlée, donc faut les approcher D'accord, de la c'est mieux. mêlée, juste pas trop proche, mais voilà. Et c'est pas plus il fait de kills, Non, ça c'est le Black Coach qui fait ça. D'accord. C'est le carrosse noir.
qui lui, quand il fait des kills, augmente, chope une ward et tout ça. Ça, c'est le Ouais, carrosse d'accord. noir, j'en ai pas. Donc, un rechargement de puissance plus 40% avec le Mortis Engine. Ok, donc je vais en mettre un en haut et en bas. Tac. Sachant que Hellman Gorse, il a aussi, il est aussi Il est sur aussi un... sur une Mortis Engine. D'accord, donc je vais mettre en bas. Hop. Il a aussi, oui c'est ça, il a Regen. Tac. Ah, oui c'est ça, il a l'aura de dégâts, l'aura de Regen et l'aura de buff. Voilà. Il combine les deux en C'est fait. ça, d'accord. Donc du coup, Il ok. a juste pas l'aura de debuff, c'est tout. Donc dans ce cas-là, je vais mettre le Mortis Engine avec le bourdon Oui voilà, avec le maudit. Black Coach et avec le. Oui avec le. Et Avec le je... bourdon Voilà. maudit et tu mets Ok. Hellman tout seul de l'autre C'est côté. bon, je suis prêt. Ok, de toute façon les renforts je vais les laisser là, 1 minute 58, et puis hop, c'est parti. Attends. Attends. Tac. Je vais pas y aller en courant, je vais y aller doucement. Faut pas les fatiguer. Ouais, non, ça va être chiant. Concept de fatiguer un zombie, mais Fais gaffe que toi, je pense qu'il y a certaines unités que tu vois pas hein, sur il son. y a des chances, oui. Sur son flanc sud là, il y en a qui sont derrière la forêt, à mon avis, tu les vois pas. Derrière la forêt. Oui, mais Ici. là où mes renforts vont arriver. Ouais, c'est ça. Là Oui, par bah là, à je mon avis, vois. il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En Il doit particulier lui en manquer, il doit lui en manquer 2 ou 3, je crois. des skinks à javelot, en particulier, en fait, il y en avait 4 et là, on n'en voit que 3. Il y en a que 3, oui, donc c'est ça. Donc il lui manque un skin Cajolo. Qui est sans doute juste à côté de celui qui est tout seul. Oui, mais il doit être effectivement sur le flanc. Alors, Hellman, il a quoi? Invocation de Néek et Danse macabre de Van Hell. Il peut invoquer des zombies au cas où t'en manques. Là, il y a une invoque de Sachant que ouais, zombies et chaque. les deux chariots en plus c'est du bone spell donc en plus donc tu taperas pas dans la réserve de vent de magie. Ouais, mais ils en Ah manquent un. mais comme ça permettra de voir si moi aussi je désintègre pas aussi. Parce que moi c'est marqué summon a unit degrade over time. Ouais, moi aussi, on verra. Est-ce que ça le fait aussi, je sais pas. On Bon, verra. C'est bon? pas bah, depuis longtemps. Ah je sais pas. Tu continues à regarder alors. Bah oui, j'attendais. Ça décale. Bon, du coup, si ça décale. Et Si ça vent mon or. redécale. Bah, et si du coup il m'a vu. Bon, je laisse les flancs. Les flancs. Oui, c'est le deuxième une fois que mes renforts sont arrivés. Donc il va charger en haut. Putain, j'ai une horreur d'écrire qui n'a pas bougé. Allez, du coup c'est toi qui l'a c'est moi qui l'a récupéré dans votre chef. Mortis Engine. Ouais non moi j'ai l'impression que c'est il a toujours un debuff d'invocation. All will wither. Corpse cat. Our time is now. C'est le vétéran sanctifié qui. De quoi? Vecteur en sanctifié qui veut faire des bisous au Mortis Engine. Oui, ça je suis pas très étonné. Bon, les renforts arrivent. With haste.
en est où ici? Ça va. It is done. Ouais. Ah mais en fait t'avais envoyé tout le monde. De quoi? Oui, je t'avais dit. Je prenais le flanc nord parce que je laissais le flanc sud à mes renforts quand ils arriveraient. C'est censé être rapide. De quoi? Ton élimination dans ton flanc là. Bah, je sais pas, oui, ils tiennent plus longtemps que prévu les skinks caméléons. Là. Je perds des zombies. Oui, bah, putain, c'est des zombies. Hein. Les seuls que je veux pas que tu casses, c'est les mortis. Tu perds des zombies, il y en a 20 de plus qui arrivent là. Et j'ai mon Strigoi qui est là. Bon, hop. Je vais continuer à remonter au sud. Ils sont où ces tireurs? Il a encore des tireurs en cours là ou non? Non, non. Il a chargé avec ses javelots en fait. Il a chargé, d'accord. Ouais, j'ai de moins en moins de troupes. Je peux t'enfiler si tu veux. As you say. Mortis engine. Ah d'accord. C'est presque un petit peu trop là. Si vraiment t'es en manque. Oui mais ils sont déjà en mêlée donc. On est en train de remonter au sud. Ah bah il serait temps. De toute façon il est en train de craquer partout. Oui mais j'imagine. Il y a quand même un petit peu de monde. Fois rien. Il a des javelinés qui ont récupéré, genre à mes chaussures dessus. Je t'ai pas cassé tes joues. C'est bien. Effectivement, il y a un peu moins de zombies qu'au début. C'est relatif, mais. Son vétéran scarifié, j'ai un peu du mal à lui faire des dégâts. Je sais pas pourquoi. C'est quel son boss là? Ouais, son héros. Ah oui, d'accord, mais c'est le truc sur Carnot. Bah, je vais envoyer mon Strigoi. Hein. Son héros est en train. Son lord est en train de lâcher, de toute façon. Ouais. Je vais envoyer le Strigoi anti-large. Rise, rise, rise. Ah, ah. Il va lâcher au moral, mais. Bon, s'il peut crever, j'aime autant. Ça, c'est son armée, c'est pas sa ville. Oui, bah. Ah non, non, c'était moi, c'est moi qui ai la ville, donc. Il y a une unité de guerriers Saurus qui tient. Face à la masse. Plus trop, mais qui a tenu, on va dire. Ah, ça y est. Il lâche. Je pense que tu peux passer en x4. Je suis pas sûr qu'on arrive à vraiment les rattraper. Bon, mes unités rapides, si, mais les zombies, ça sert à rien, effectivement. Non, le héros, toi, tu vas crever. Ou pas. Ou si.
Si, je pense. Bah, avec un spell. D'accord. Mais comme la dernière fois. C'est bon, voilà. Hop, de toute façon, le reste, effectivement, on ne rattrapera pas. Ah, que suis peut-être là. Il y a une unité au centre, là. Qui... Une unité au centre. Celle qui est entourée de tous les zombies? C'est ça. 41 lancés sur russe. J'envoie mes... Je vais essayer, pareil, j'essaie de finir des lanciers là et les derniers skinks javelot. Les skinks javelot, ils vont se barrer. 41, Alors, le problème, 35. c'est que là, j'ai. Ouais. Vire tes lanciers sur les sur ceux qui sont en train de se barrer là. Que Attends, viens mes lanciers. mes horreurs décryptent ton... celle qui est tout au bord de la map. Non, c'est bon, non, c'est bon, on a réussi à les engluer. Ici. Allez, allez. Tire mes zombies. J'ai envoyé les charrettes. Toutes 536. Allez, allez. Ceux-là, ils sont morts. Ah, ils vont s'enfuir. Non, pas encore, si. Bon, au centre, ils ont fini par tomber ou toujours pas? Oui, c'est bon, c'est sur le point de. Bah, j'ai envoyé les charrettes, donc t'as le Oui, dé... t'as le debuff Voilà, aussi, c'est c'est bon, bon. c'est fini. Allez, ok. Vaillante défaite. Une victoire décisive. Oh non, j'ai perdu 5 zombies. 4 Ouais. zombies. Pleure, Qui s'il te plaît. peut-être vont... Qui en plus risque de se relever. C'est ça. Il y en a perdu 47 sur la deuxième armée. En même temps, le gros du taf était fait. Ouais, le vétéran se russe, il a 145 kilos à son actif quand Ah bah oui, mais il a nagé dans même. les zombies. Hein. Et si tu regardes les Saurus, Saurus 188. 188, 197, 132. C'est une très bonne unité, le Saurus. Hein. Ouais. Même en sauvage, contre de la piétaille pas trop armurée, ça nage dedans. Hein. Très peu joué Bah, j'ai les hommes du mal en bizarres. fait. Le truc, c'est que t'as tellement d'unités qui peuvent faire tellement de trucs. En général, je m'y perds un peu et j'arrive pas à faire de composition d'armée vraiment viable en fait. Chaque fois que j'essaye de jouer avec eux, j'arrive jamais à vraiment faire des trucs qui me plaisent. J'ai essayé le full monstre, c'était rigolo mais pas spécialement efficace. Ils ont une telle quantité d'unités que. Et du coup, peut-être qu'un mode comme SFO, ça doit aider à construire une armée un peu plus viable, avec les C'est limites d'armée et tout ça. Et voilà, bon. j'en ai qu'un seul qui est vraiment mort zombie. Ouais. C'est Voilà, pas... voilà, voilà, voilà. Oula. Je suis en bug là. Ah non, c'est bon. Non, c'est que je choisis la D'accord. récompense. Ah bah, ils ont été anéantis. Bon, voilà. Problème réglé. J'aime pas trop les ogres qui se rapprochent de mon chez moi. Donc là, on va ici. Et en même temps, je suis en PNA avec eux normalement, donc. Et snitch. Ah, une attaque. Tac. Ah, il va peut-être y avoir des trucs intéressants à relever. Même pas. Victoire à la pire, oui. Allez, on va refaire du scabane. Mais fais chier. Tiens, mettre ça à vous. Ça va être d'autre le gros combat. Hein. Eh ben, gros combat, c'est pas grave. Hein. Où on va s'y perdre. Hein. Ils sont combien? Ils sont nombreux. Ah oui, combien d'armées? C'est la même. Bah c'est en gros la même armée que tout à l'heure. Enfin que le. Hier, puisque ça date d'hier, et puis une garnison à peu près aussi remplie que. Ah oui. Ah bah ouais. Avec les elfes noirs en moins. Avec les elfes noirs en moins. Voilà, vous pouvez sauver la première armée quand même bien abîmée. Ouais, mais la deuxième armée est complète.
Oui, mais hier, les deux armées étaient complètes, donc... Et en plus, il y en avait une petite d'elfe noire. On s'en est bien sorti. Donc... Oui, non, mais je suis pas très très. Il n'y a toujours pas d'artillerie. Ah, il a un peu plus d'arbalétrie là par contre. Ouais. Dans sa deuxième armée. Bon, les positionnements des troupes vont être un peu plus classiques aussi. Et puis pour le coup, je commence avec l'armée de Snitch. Oui, donc tu commences avec ton armée principale et pas ton voilà. armée secondaire. Ah oui, sauf que c'est une attaque de ville. Il y a des murs? Oh merde. Ah bah oui. Non. Si, si. 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 Non, il n'y a pas de murs, mais. Non, non, il n'y a pas des murs, mais il y a des défenses. Il y a des défenses, oui. Bon. Alors là, dans SFO, les défenses, hein, c'est des défenses qui sont. Enfin, y a pas, tu ne gagnes pas un certain nombre de points toutes les X secondes. Hein, c'est fixe au départ. Si tu construis tout au départ et après voilà. Tu construis plus rien, c'est ça? C'est ça. Ok. Oui, j'avais vu ça dans il y a des modes qui sont mis à faire ça sur les. Pour rendre des batailles de siège un peu plus intéressantes. C'est-à-dire que tu prends plus cher au départ, mais dès que tu prends le contrôle d'une zone, t'enlèves pour le coup un gros morceau. Donc. Ce qui rend un peu plus important le fait de prendre le contrôle des zones et non pas foncer directement au centre. Ouais, ça va être chiant. Ah bah. Alors on va mettre tout au nord de la map. Et puis comme ça, ouais. les renforts arriveront par le sud. Oui, Normalement, comme ça, ils seront un peu plus tranquilles quand ils arrivent. Il devrait y avoir personne. Je vais du coup gérer le nord, et puis quand il y aura le sud, je te le refilerai. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai aussi des fufus. Les fufus, c'est bon pour aller prendre les... Ah bah oui, pour ça, t'en mets quand même quelques-uns au sud pour aller prendre un ou deux points. Ouais, en effet. Et si tu peux lui piquer des points, ce sera toujours ça de prix. Même si, du coup, il aura peut-être pas construit grand-chose au sud. C'est lequel? C'est ceux-là, les frondeurs, oui. Frondeurs. Hop. Je vais mettre les deux frondeurs. Voilà. En plus, ils ont un déploiement d'avant-garde, donc ils sont encore plus proches. Voilà. Bah, au pire, tu me les files, Ouais, je vais te les filer. Tac, tiens. Tu veux des frondeurs, tu vois? Bah oui, parce que comme ça, ceux-là, ils pourront plus rapidement être efficaces, puisqu'ils tirent de plus loin. Sinon, attends, je t'en donne un de plus de chaque. Ils sont tous en stalk, donc... Je t'en donne un de plus de chaque, comme ça... Ouais, c'est bien en plus d'avoir les snares, comme ça j'aurai ouais. Quelqu'un qui pourra... Donc... Ils ont les mêmes... Ah non, ils ont moins de melee attaque. Et là... Ils ont même melee defense, ils tirent effectivement plus loin. Ok. Ce que je vais faire. Tiens, je vais. Donc j'en garde un de chaque côté et je vais prendre les deux zones. Je vais te donner ça aussi pour prendre. En fait, je vais te laisser gérer. Je te donne, j'ai déjà placé. L'idée, c'est qu'ils prennent la troisième zone de renfort. La troisième zone de renfort. Les quatre derniers que je viens de te filer, c'est pour oui. La zone de la zone de ravitaillement, quoi. Donc, les derniers que je viens de te filer, c'est pour ici. Oui. Et ah d'accord, et les quatre autres, je les mets de l'autre côté, d'accord. Tu prends les trois zones, moi je vais me focaliser oui. Au nord. Trois zones. C'est-à-dire les deux supply plus le... Non, non. Plus le central. Toi tu prends... hop, tu prends ça, et tu prends ça. Et ensuite, effectivement, tu peux aller vers le central. Moi je vais mettre tout le monde. Ah, toi tu mets tout dans un coin. Dans okay. un coin. Ah, je croyais que tu voulais prendre d'un frontal. Voilà. D'accord. Je vais mettre tout dans un coin. Et puis je vais sans doute peu avancer. Parce que j'ai quand même pas grand chose. Tu risques quand même d'avoir un peu de monde du coup. Hein. Il va peut-être se douter qu'il y a un truc. Le chef. Allez, parce que pourquoi? Parce qu'il manque la moitié de ton armée et que en plus les renforts arrivent au sud. C'est ça. Pour ça on va voir s'il est intelligent ou pas. Hop. Hop. On va enlever le non, petit manteau. Non, via les quatre qui sont là. S'il te plaît. Hop, tu veux que je mette tout du coup. Attends, mais deux en on va y arriver. Deux au sud-ouest, deux au sud-est et quatre au nord. Est. D'accord, ok. Prends. Oups, un petit
groupe 2. Ici. C'est bon? Voilà. Okay. L'important, c'est de finir par se comprendre. Et commencer bataille. C'est parti. Alors. Normalement, je devrais avoir quasiment tout le monde sur moi. T'as lancé? Ouais, j'ai lancé. Moi, je vois rien. Ouais, ils sont tous chez moi. Bon, bah... Ah non, ah non, non, j'en ai au sud-est. T'en as quelques-uns quand même. Au sud-ouest, j'en ai. Ouah, putain, la tour explosive. Par contre, là, j'ai personne. Pareil, nord-est, nord-nord-est, j'en ai aussi. Je peux envoyer des... Non, non, mais c'est du paysan, je vais les hacher. Je vais envoyer des invoques. Il faut que les mortiers ils tapent là-dessus. J'ai une place qui est prise. De toute façon, logiquement, il va se redéployer. Ah non, il y a un peu plus de monde nord-ouest. Nord-ouest. Celle-là, c'est tranquille. Bouh, putain, l'unité d'arbalétrie est défoncée par un sort. Ah, il m'envoie de la cavalerie, par contre, ça c'est push. J'ai pas l'impression qu'il ait construit beaucoup de défense, hein, mais... Non, bah, il a une tour de niveau 4, en fait. Ah d'accord, ok, donc il y a une tour. C'est ça. Sur laquelle je tire, mais je vais avoir du mal. Oh, putain, ça me ouais, j'ai un peu de monde aussi. Il défonce. J'ai une zone où c'est tranquille, je vais remonter au nord. Il défonce mes sorciers, bordel. Non, je vais aller plutôt à l'est, c'est plus simple. C'est là qu'il y a le plus de monde. Enfin, c'est là que moi j'en ai le moins. Oui, tout le monde. Et puis il a du monde au centre. Hein. Il y a du monde au centre. Okay. Ah oui, il y a 8 ou 9 unités au centre. Ton stock. Ça sert à quelque chose. Les bombes de camouflage, j'ai un peu du mal à comprendre à quoi c'est censé servir. Bah c'est. Quand t'es pas complètement engagé, c'est pour passer en fufu et les faire lâcher en fait. Si t'es en pleine mêlée, ça servira à rien parce que tu vas te faire détecter tout de suite. Mais si t'as réussi à t'éloigner un petit peu, ça peut permettre de t'enfuir plus facilement. En fait. C'est un peu ça de toute façon le principe du Skaven, hein, c'est qu'ils passent leur temps à s'enfuir. Hein. Les mortiers se font défoncer la chetronne. Mortier ? Ouais. Ah putain, je peux. Ah, c'est 10 de balles. Nord-ouest, c'est chaud. Les renforts arrivent. Les renforts, les tiens ou les siens? Les miens. Ah. Donc, je vais pouvoir... Ils arrivent où? Bah, au sud. Ah oui, au sud. Oui, mais c'est au sud, c'est là que ça va. Et ben, là où tu n'y arrives pas, tu lâches, hein, à la limite. Oui, mais c'est ça, parce que là, il y a clairement trop de monde, je vais y perdre des troupes. Je te file l'armée du sud, et à la limite, tu me refiles les deux. Je vais sortir parce qu'ils vont se faire défoncer si je les laisse. Donc... Ouais, tu sors, et puis quand ils sont safe, tu me les redonnes. Je vais regrouper tout le monde sur le point que j'ai au sud. Tous ceux que j'avais envoyés en fufu là. Je vais essayer de tous les rapatrier au sud. Toi, je vais t'envoyer. Ah, je vais avoir autre chose que des tireurs. Ouais. Alors. Tu me dis quand j'enlève la pause. Attends. Oui. Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré. Un wizard. Ah, ils ont pris cher. Ouais, mais il n'y a plus de magie, donc...
Oui, je sais pas. Ah, mais il peut pas tirer celui-là. Bon, tant pis. Et c'est quoi qu'il a? Ah, bah, il a un truc pour récupérer de la réserve. Ouais. Effectivement, j'ai récupéré ça il y a peu. C'est bon pour moi. Ok. Je vais le rajouter. Tac, tac. Tac, tac. Hop, c'est reparti. Une unité de lancier qui bloque 5 unités chez moi quoi. Bah ça là. C'est ça. Il a ramené du monde pour essayer de reprendre le point. Bon, ça lâche enfin. Il faut que je laisse. On a récupéré un peu de magie, hein, si tu veux. Ok. Voilà. Donc je récupère cette zone. Il y a des tireurs que tu m'as pas filé hein, au sud. Ah merde. Tu les enfin. Ils ont dû arriver après. Attends. C'est de... Bah, tu regardes, ils sont tous à la fin. Toi, oui, j'ai vu. Je gère autant que faire se peut ce que j'ai pu gérer. Qui est un peu cher sur les fufu. Hop, tiens, je te les refile. Merci. Tiens, je te refile aussi une unité d'invoquer. Ah putain, les internes célestes, les mortiers vont rien pouvoir leur faire, je pense. Hop. On va essayer de les retarder. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon pour moi. Ok. Bon, je commence à caper la zone au centre. Oh putain, n'importe quoi. Ouais, j'en ai qui vont prendre cher, ceux qui étaient au nord. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ouais, c'est du skaven, ça s'enfuit, mais... Les lanternes, j'ai rien pour les gérer, quoi. Bah non, tu m'as filé tous les tireurs, donc... Bah c'est bon, tu as détruit cette borne niveau 4. Ok. Ça devrait le faire déjà un peu mieux. Tac. Ok. Ok. Donc. On termine ça. Et ensuite, je vais avancer vers la place centrale. Ouais, ok. Ça rame. Je termine l'opposition. Juste laisser un guerrier des clans sur eux. Clan rats.
Bon, vous allez après eux. J'ai encore une unité à invoquer si besoin. Je veux bien que tu bloques éventuellement. Attends, je mets en pause. Indique-moi. Au niveau de la place centrale, j'ai des renforts qui vont arriver sur mes. Okay. Sur mes rats. Tac. Là. Juste pour les bloquer un peu le temps que je me débarrasse de ce qu'il y a déjà en place. Bon, j'ai un groupe qui a fui. Hein. Ils sont pas morts, ils ont réussi à s'enfuir. Ouais, okay. Ceux qui étaient au nord, j'ai un groupe qui a réussi à redescendre, l'autre qui s'enfuit. Je le ferai. J'enlève la pause. Ok. J'ai envoyé tous les guerriers des clans, je les envoie au centre. Morty, ils se font défoncer par les lanternes. Je te refile ceux que je viens d'invoquer. Ou de toute façon, j'en ferai pas grand chose. Non, mais c'est juste que tu. Oui. Tu seras plus à même de le gérer que moi. Ah oui, ça réactualise les invoques plus. Ok, donc ça, c'est fait. Toi, tu te casses, t'as rien à foutre là. J'ai une carrière ici aussi. Bon. Ok, j'arrive sur la place centrale. Ok. Ensuite, ici. Poison, wind, mortar. Warlock engineer. Clan Rat Spears. Eux, ils sont en mode fuite sévère. Ils vont pas faire grand chose, je vais l'envoyer par là. Ensuite, on en est où? Les guerriers des clans. Ils ont intercepté ici. Alors, par contre, toi, t'es pas obligé d'aller en plein dans la mêlée. Il est quand même qu'un wizard. Bon, je récupère la place centrale. Bon, ceci étant, je te pique un sort. Vas-y, vas-y, oui. Ah oui, ouh, il était. Ouh. Il est bien celui-là. Il était bon et efficace. Ah, il était un bon petit pack, bien comme il faut là. Putain, par contre, je sais pas ce que c'est, les Dinguo Way là. C'est pas une unité spéciale, mais putain, ils sont costauds. Hein. C'est à moi c'est... Pas... Non, c'est à lui. Non, c'est à eux, c'est une unité d'arbalétrier. Mais putain, j'arrive pas à les faire tomber. Hein. J'ai du monde dessus, mais. Bah, il a réussi à faire fuir mes mortiers. Alors, ensuite, ici, on en est où? Ok. Là, ça se détruit. Je vais l'envoyer par là. Ici aussi. Ouais, il est en train de lâcher partout. Oui, je pense que. Ils sont déjà. Sachant qu'on a. On a le centre. Ah, bah t'as le centre en plus! Ah, oui, ça va pas aider. D'accord. Dernière nouvelle, t'es allé vers le centre, je savais pas que tu l'avais pris. Si, je l'ai pris. Je vais défoncer son lord, histoire de finir le boulot. En fait, il lui reste du monde plus qu'au nord-est. Par contre, fais gaffe, il y a du monde qui arrive au sud-est. Ouais. Oui, je sais, mais t'inquiète pas, il reste aussi du monde au sud-est, c'est ce que j'allais dire. Hop. Putain, elle me saoule, ces lanternes. Bon, ici, ça a été géré, c'est bon. Ah, mais quand elles auront plus de munitions, elles auront plus de munitions, hein, c'est pas... Ouais, je crois que... Non, elles sont très très larges. Ouais. Il en reste 28 encore. Sud-ouest, c'est géré. On aura terminé la bataille avant. La victoire est à portée de main. C'est bon, j'ai son lord.
qui est en fuite. Oui, il reste toute la partie nord-ouest, celle que j'ai lâchée. Ouais. Celle que j'ai lâchée là où il est. Enfin, son lord est tué. Bon, ça va jouer un petit peu, je pense. J'y vais au nord-ouest. Nord-ouest. Ouais. Bah, nord-est. Façon, je vais y aller aussi en passant par le centre. Ah, oui, effectivement, ils sont larges en munitions. Le problème, c'est que moi, puisque j'ai encore des choses, sinon je peux y envoyer une ou deux troupes dessus, hein, sur les lanternes. Oui, si tu sais pas quoi faire. Ah si, je sais quoi faire, mais... Ah putain, mais j'ai quand même envoyé du monde dessus. Ça y est, ça fuit. Ah non, pas partout. Pas tout à fait, hein, il en reste encore un peu. Donc ceux qui sont entamés fuient effectivement maintenant très très vite. Ceux qui sont encore full... Ils ont les barres qui oscillent un peu, mais... Normalement, il n'y a pas eu de casse. Dikan. C'est quoi? C'était Dikan qui te posait ceci? Parce que là, il y a un héros. De quoi? En fait. Il y a un héros. Non, mais c'est s'appelé un. C'est s'appelé. C'était un symbole de lancier. C'est Dingyo Wei. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est pourtant, ça pas un symbole de. C'est pas violet, c'est la même couleur que les autres. Mais ils m'ont fait chier. Alors, en plus, ils ont 25 d'armure. Ça a l'air d'être une unité de base. Il y avait rang 1, mais enfin tier 1, mais. Allez, on avance. On a dit par ici. Donc, j'ai deux unités, j'en ai envoyé une troisième. Sur les ballons. Quel est des clans, tu veux les envoyer là? Spécialiste de mêlée, tu les envoies là-dessus. Non mais oh, arrêtez de me casser les rouleaux, lui. C'est long. C'est un peu long. Que c'est long. Snitch. Le capturer, ce serait quand même bien. Ça capture pas vite un snitch tout seul. Bon, ça y est, on a toutes les zones. Vitesse plus 20%, attaque de mêlée plus 20%, comment plus 10%. Non, c'est en train de lâcher partout, c'est bon. Ils sont tous en fuite là. Et pas ben... pas besoin de poursuivre là, de toute façon. Non, victoire à la pioche. Bon, et ben on va arrêter l'épisode ici. Ça promet les combats Skaven contre Katay. Hein. Ouais. Bordel. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on vous fait des bisous et on vous dit à très vite. Bisous YouTube.